Clap audio. Je m'étais à écrire, maman. Oui, est-ce que tu t'es entraînée au tableau d'abord? Non. Si on n'était pas passé par la maternelle, on serait pas ici en ce moment. Je présente ma conférence sur l'ISS. Qui tourne autour de la Terre. Donc, je pense que toutes les classes servent à quelque chose. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour, petit crocodile. Oh, il y a un dinosaure. Bonjour, maman. T'es revenu, ça va mieux? Oui. Bonjour. Bonjour. Mais là, toi, pourquoi tu as apporté toutes ces choses-là ce matin? C'est pour... C'est pour les gens qui n'ont pas mangé, pas de couverture pour la guerre. Nous sommes en mars 2022. La guerre en Ukraine vient d'éclater. Les grands de l'école décident de participer à la collecte de produits de première nécessité qui a lieu à Vence, pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Un camion part le lendemain pour la Pologne. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Forcément, la question de la guerre interroge. Qui, où, pourquoi? Entre incompréhension, peur et interrogation, les enfants prennent la parole. Mais j'ai aussi apporté des vieilles couches de Maya pour les... Ukrainiens. Et aussi des biberons qu'on ça sert plus pour Maya. Mais pour quoi? Ben pour les bébés. Ben parce que ben en fait il y a la guerre et Tom. Avant il y avait l'Ukraine, elle était avec la Russie. La Russie, ils sont partis du pays. Donc le genre de président, même si c'est pas un vrai président. Ben ils sont là. Ah, c'est eux, tu penses, affichés là au tableau? Oui. Ça, c'est celui qui veut attaquer ce président. Comment il s'appelle? C'est le président de quel pays, lui? De l'Asie. Non. Alors, il y a une partie, vous avez raison, il y a une partie de son pays qui est en Asie. Moi, je sais où il est là. Non, moi. C'est l'Ukraine contre eux. Russie. La Russie. Mais la Russie, est-ce que c'est que ça? Non. La Russie, elle n'est pas d'accord. Elle est tout là aussi. C'est moitié en Europe, moitié en Asie, comme vous l'avez dit. La Russie, c'est un immense pays. Alors lui, c'est facile parce que lui, il s'appelle Volodymyr. Et lui, il s'appelle Vladimir. Quoi? Oh, Poutine, c'est un nom de fille. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé? De faire la guerre. Vous en pensez quoi? Il a décidé d'attaquer. Non. Mais non, moi. Non, moi. En plus, ça peut venir dans la France. Que les Ukrainiens, c'est dans l'Europe. Pour l'instant, est-ce que la France est concernée? Et aussi, non. Pendant ce temps qu'ils attaquent, il peut aller attaquer un autre pays. J'espère qu'il n'y aura pas une deuxième guerre mondiale. Mais c'est une deuxième? Lui, c'est un non, une troisième. Oui, une troisième. Valentin? Je ne voudrais pas qu'il attaque l'Afrique parce que sinon, les guépards ils mourent alors qu'ils sont en train de disparaître. Donc, tu as raison, c'est très triste les guépards et là, c'est un autre problème, tu vois. Quand on fait la guerre, il y a des risques de personnes, on appelle ça des civils, qui peuvent mourir. Et là, qui est-ce qui est concerné par. Qu'est-ce qui peut mourir? Les Ukrainiens. Mais en plus, ce président, il dit que les hommes, ils doivent quand même aller à la guerre, même s'ils sont. Pour défendre. Et ça te semble pas normal? Non, ils sont pas obligés. Les adversaires, ils envahissent le pays. Même l'Égypte. Les Romains, ils ont envahi le pays des Égyptiens. Mais les enfants, donc vous avez dit que nous, vous avez raison, pour l'instant, on n'est pas concernés par la guerre. Mmh. Parce que la France, elle n'est pas en guerre. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Quand on est mort, On peut plus vivre. Et qu'est-ce qu'ils font les Ukrainiens? Pour l'instant, ils font que de partir. Moi, si j'étais en Ukraine, j'aurais pris l'avion et allé en France. Moi, je voudrais pas que mon pays soit dévasté. Et donc, je partirai à la guerre. Qui c'est qui a fait des grandes bêtises, tu as dit? Éclair. Non, mais pas je.
Il pouvait presque tuer dans la Deuxième Guerre mondiale tout le monde. Mais ce président, c'est un méchant président. Les Ukrainiens, ils vont où? Ils vont où, là, ceux qui s'en vont parce qu'ils sont en danger? Ils vont en France. Mais il y en a qui vont autour, les pays qui sont autour de chez eux, vous voyez? Donc ils vont en Pologne, surtout, en Hongrie, en Roumanie, en Biélorussie. Ils quittent le pays et ils vont dans les pays, on appelle les pays limitrophes. Marie, ils n'auraient pas envie d'aller ici, très loin de la guerre. Mais est-ce qu'ils peuvent? Sinon, il faut des bateaux, mais il faut de l'argent. Ces gens qui sont réfugiés, ils ont besoin de quoi, Romane? De à manger et de couverture, de médicaments. Les bébés, il faut qu'ils mangent, donc il faut des bibis, des couches. Attends, même les parce bébés, ils vont à la guerre. Tu peux nous montrer, Marlon, quelques petites choses que tu as mis dans ton sac? Des compotes, une lampe de poche. Des compotes, des lampes pour s'éclairer. Je sais pas comment la nourriture. Moi, j'ai fait. On voit quand même que vous avez pensé à tout parce qu'il fallait des compotes, etc. De la nourriture pour bébé, des biberons et des médicaments, des pansements. C'est ça qu'il fallait principalement. On a appelé Agnieszka, une Polonaise. C'est celle qui s'occupe de récolter les dons et de les envoyer en Pologne. On l'a appelée pour le demander et pour savoir de quoi on avait besoin principalement pour aider les Ukrainiens réfugiés. Et elle nous a dit de la nourriture pour bébé, des couches, etc. Et aussi, il y en a qui veulent encore en faire. C'est, vous avez jusqu'à demain pour le faire. Jusqu'à demain? Oui, jusqu'à demain. Parce qu'ils vous les envoient vendredi. Demain, donc. Ouais. Oui, des tétines, c'est bien. Brosse à dents, ça c'est bien aussi, parce qu'ils n'en ont pas forcément. Nous, vous savez qu'en France, on en a des réfugiés. Ah bon. Il y a un très, 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 très grand camp qui est le camp de Calais. À Calais, et c'est tout au nord. Et pourquoi ils viennent là? Où est-ce qu'ils veulent aller? En Amérique? Au Canada? Qu'est-ce qu'il y a au ici? Au pôle nord. Des îles au-dessus de la France. Ici, là. Au-dessus? Londres. Oui, donc c'est? À Londres. En Angleterre. L'Angleterre. Voilà, on en connaît des réfugiés. On ne connaît pas de réfugiés qu'on a rencontrés à l'école? Ali. Bourama, il venait d'où, Bourama? Ah, je sais, c'est là. Oui, très bien. Et comment il s'appelle ce pays, Tessa? Bravo. Le Mali. Merci les grandes. C'est le goûter. C'est la première. Il va être vieux après. Et puis moi, j'ai amené deux paquets de bananes. Moi j'ai amené deux paquets de bananes séchées et des pommes. Marlon et Tao, vous arrêtez de bouger. On va à la grotte, mais on aide son petit à s'habiller. Oui. Il arrive à mettre sa chaussure. Le président. Une fois de plus, vous entendez comme ici, tout est support d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est l'actualité qui entre dans la classe. Cette collecte lancée en urgence la veille au soir permet à la classe des petits d'aborder pour la première fois le sujet de la guerre en Ukraine. L'occasion de situer les pays européens, de parler d'histoire et des guerres du XXe, de migration, de résistance, etc. Le mois prochain, les enfants décoreront de nombreux cartons destinés à être envoyés en Pologne et à être ouverts par les petits Ukrainiens. Je suis Héloïse Pierre et vous écoutez La Buissonnière, un podcast réalisé par Clap Audio avec le travail et la passion de Marie Masquelier et des enfants de sa classe.